Alors, t'en penses quoi? Sa voix, ses yeux, son sourire. Tu crois qu'il voudrait présenter la prochaine émission à ta place avec moi? T'es pas au courant? La prochaine émission, c'est moi et Miss Tahiti. Tu l'as eu quand, le producteur? Hier soir. Moi, ce matin. J'avais déjà appris le piano au conservatoire. Et je me suis mis à la guitare, mon père qui joue de la guitare, les amis et tout, donc j'ai commencé à gratter la guitare. J'ai pas arrêté d'enregistrer avec mon 8 pistes justement, un petit 8 pistes, j'ai commencé à composer, etc. Et voilà. Pour les influences musicales, on a toujours écouté un peu tout style de musique, beaucoup de blues, de par ma mère qui est américaine, du country, du folk music. Et mon père, il est fan aussi de musique américaine, etc. En fait, je suis parti un peu tête baissée. Il paraît qu'il faut faire un album, c'est comme ça que ça marche. Bon, bah, je vais faire un album, je vais enregistrer en studio, je vais le mettre sur le marché. Et finalement, j'ai réalisé que c'est pas ça, forcément. En Polynésie ou ailleurs, le CD, ça se vend plus. Il faut être sur Internet, il faut réfléchir différemment. Aujourd'hui, j'ai donc sorti les deux albums. Donc maintenant, je continue avec le tournage du nouveau clip, donc avec un artiste de Paris. C'est-à-dire que lui, ça me permet de mettre un pied en Polynésie française, dans le Pacifique. Moi, ça me permet de mettre un pied en France. C'est un partage. Le sujet du clip, c'est qu'on pourrait travailler pour un monde meilleur. Ce qui m'énerve le plus, je pense, c'est l'hypocrisie. Les gens, tu les appelles, ils te rappellent pas, ou qui traînent, etc. J'aime bien quand c'est efficace, qu'on avance et puis que les choses soient claires. Solive, mais moi je l'appelle Solive. Alors Solive, quel c'est un personnage, c'est un mec qui est assez... C'est pas un mec mystérieux, c'est un gars qui est tendre. En fait, il est tendre, il est gentil, ouais. C'est un mec qui est affectueux, il est sensible. Et c'est sa sensibilité qui m'a touché, t'as vu? Donc, c'est tous ces trucs-là qui font son livre. Ouais. Ça permet de... C'est quelqu'un, ouais, qu'on ne peut qu'apprécier. En plus, c'est un beau gosse, donc les meufs, je pense qu'ici, ils doivent craquer. Le deal au départ, c'est qu'il fallait qu'il ait un diplôme. Donc, pour ce faire, on lui a posé carrément la question, pas de problème la musique, mais il faut quand même que tu aies un diplôme au cas où tu n'arrives pas à en vivre, quoi, et tu voudrais faire une famille, etc. Et tout de suite, il m'a dit « d'accord ». J'ai le plaisir d'être un artiste. Je suis maître verrier. Je crée des vitraux pour les églises, souvent, et les maisons privées. Je ne m'inquiète pas. Il faut qu'il fasse son propre expérience. Et peut-être la vie fait en sorte qu'il va pouvoir le vivre de son art, comme j'ai pu le faire. J'ai eu la chance, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup le monde de la musique, de faire partie d'un orchestre. Ce qui fait, avec l'orchestre dans lequel j'étais en tant qu'adolescent, on a fait danser toute une génération. Comme tous les gens qui vieillissent un peu, on aime bien revenir un petit peu à ses racines. Donc j'ai pris une guitare, j'ai commencé à retrouver toutes les vieilles chansons, qui fait que je grattais la maison pour m'amuser, tout simplement, pour me délasser. Ce qui faisait toujours une bonne ambiance, qui attirait d'autres musiciens, qui fait qu'on a toujours une ambiance non seulement artistique de l'atelier de Diana, mais en plus on vivait dans un monde un peu musical. Olivia fait 8 ans et demi de piano au conservatoire, le cadet a fait 4 ans et demi de flûte, le troisième a fait du saxo et de la batterie, donc tout le monde gratte un peu à la maison, quoi. C'est comme si on avait grandi ensemble, quoi. Il se trouve qu'on fait les mêmes choses, puisqu'on est dans la musique. Hey, Solive, man. Et toi? Allez, top, top. Paraît que t'as fini d'un clip, là, dernier. Ben, on vient juste de terminer. Franchement, super cool. Solive, c'est un timbre de voix exceptionnel. C'est un bosseur. Pas super beau tout le temps, et finalement... Il joue du piano très bien, de la guitare. C'est quelqu'un vraiment qui émane vraiment des choses vraiment bonnes, quoi. Il a vraiment une belle âme et... Un autre point fort, il sait très bien faire du vélo. Excellent. Ben voilà, ça c'est vraiment ma source d'inspiration. C'est ici, dans les montagnes à Tahiti. J'ai passé beaucoup de mon temps ici quand j'étais adolescent. J'ai vraiment besoin de ça. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un peu saccagé. Je trouve qu'il faudrait faire un peu plus attention à
à notre île, à notre Polynésie, quoi.